haïtiens, moi j'ai une nouvelle pour nous. Moi j'ai une nouvelle pour nous, je dis nous exactement 16 décembre 2022. Pas oublier sur plateforme parlant qui c'est plateforme YouTube Infobeto. Reginald de Boulos. Reginald Boulos, président parti politique MTV Haïti. Et écoutez m'a parler voilà là. Yo kembe nan kidnapping, yo nan quatre parti ça, yo nan jeune garçon qui c'est membre fondateur parti ça, qui c'est bois armé Reginald Boulos, qui c'est cavalier Polka Reginald Boulos. Qui c'est petit garçon Reginald Boulos, qui c'est nèg qui pi proche Reginald Boulos qui était capable gagner dans parti politique ça. Yo qui même monsieur dans kidnapping. Yo qui même monsieur 29 novembre qui se passé là, DCPJ met puissant raconte, quand m'a pas la voilà. DCPJ continue à cuisiner monsieur parce que monsieur parler de coup pète maï. Et ça cause m'a dit DCPJ. Rapport ça faut que tout a rendu public. Faut que tout a rendu public pour pays là. Pour pays on ta connait évidemment, l'homme s'est fait kidnapping yo. Qui que dit l'argent que le Boulos ou bien moun kap travay pou Boulos yo après lui-même. Parce que industrie kidnapping ça, tout moun connaît clairement, li gen mec, li gen patron, li gen boss, li gen héritier, li gen famille, li gen gardien tout ça. Et mais jodi a vent vanté. Vent vanté et c'est clair, nous commençons à joindre et ouais clairement qui ça qui nan dans la boule là. Parce que ça qui passe là, fuck pays a, fuck nation a, ta gon idée clairement. Sous crime qu'a fait dans le pays, sous kidnapping généralisé ça, qui va jamais cesser, sont injustices que lié. Et je dis à la nation qu'on est que, moun kap kidnappé là, yon pas haïtien. Écoutez bien, moun qui mette injustice kidnapping non, yon pas haïtien. Moun qui planifie, moun qui vient avec idée kidnapping non, yon pas haïtien. Yon c'est des moun qui pas pièce attachement avec pays d'Haïti. Le à l'extérieur pays, yon pi à l'aise parce que yon pas haïtien. C'est des immigrants qui ont eu malheureusement. Ou qu'on possibilité là. Pour foutre mes chats sous pour faire bon pays ou. Parce que son injustice que lié. Son injustice que lié. Le groupe pays. Qui est des juges là-dedans. Commissaire gouvernement là-dedans. Yo kon criminel yo. Yo kon assassin yo. Mais yo quitte yo là. Parce que yo pas yo a kidnappé. Parce que juge là a ballon machine. Commissaire gouvernement a ballon machine. Le bise fait tikali. Yo bal sima bal fait. Mais pas traquer criminel là non. Responsable de CBJ, c'est pas qu'on est pas qu'on est non. Même tête pensant qu'a fait kidnapping non. Mais pas marre non. Les plus ça parle de ISO. Si la pli, la mort sans jour. Son rance que ça y est. Josia. Comme la coup de filet au fait. Bouge dans celle-là, dis-nous. C'est la vérité pour triompher. Même je ne sais pas qui est avec dossier assassinat Jovenel Moïse là. Nous avons une facilité pour nous contrôler tout le qui fait crime dans le pays ça. À travers dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Mais justement, avant que le dossier. Avant de commencer à faire tout nèg, avant de commencer à tout pour qui va bon monde, avant de rentrer, qui c'est qui a dit au matin l'état de Jovenel de Moïse? Et pas partie de crime qui fait sous Jovenel de Moïse, qui cause vous confirmer noir sur blanc que matin sous criminel que lié. À partir de l'assassinat Jovenel de Moïse là, ou commencer un paquet nèg de secret privé justement qui pas jamais de bon monde vraiment. Chaque jour, qui ça fait après sanction? Rete là on va connait qui choy. Jeudi à 16 décembre 2022. Bois calé pirette parce que nous va parler qui chose avant. Le cap domine actualité à papa ici nous connaît c'est dans ça qui gagne pour avec dossier sanction. Sorti dans Reginald Boulos que aucun bépartisan là dans question bagarre kidnapping dans pays d'Haïti et dans trafic zam gros bagarre oui monsieur dans trafic zam monsieur dans kidnapping et monsieur comme c'est très proche gang yo. OK? Monsieur Bayzam monsieur kidnappé. Ça veut dire monsieur fait tout mouvement honnête tout seul coup. Proche Reginald Boulos. L'autre bagarre. Conseil sécurité des Nations Unies annoncé la couleur là. Et même papa ici, moi-même personnellement, je dis nous ça clairement. Je prends tout ça que je dis, je prends au mot. Je ne vais jamais banaliser, minimiser, rien que des décisions que je prends pour le moment. Quel que soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, quel que soit le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, tout ça que je dis là, je prends au sérieux. Je ne vais pas minimiser du tout nous connaissons. Qui est-ce qui fait ça? C'est grand monde que nous y est. Nous sommes peuple tant que tout peuple. Nous sommes pays tant que tout pays. Il faut que nous ayons des gens qui vont prendre des décisions pour payer à tout. Je vous dis à mon petit peuple haïtien, il faut que nous campions pour nous accompagner des décisions qu'on prend là-haut. Pour le blanc pense que le bras prend le bras, comme si au coup de la route, il va casser tête tournée, ou même si il a de l'anté. Parce que le ça, manche toi, il en bas zéro. Ou pas prendre criminel là, ou pas pour faire back encore. Le blanc fait back, ou même pour le racheter criminel là, définitivement pour mettre une chance. Parce que les ça, c'est des assassins qui ont eu. C'est des criminels qui ont eu. Si vous avez aimé le pays, je ne vais pas mentir, je vais avoir des âmes dans le pays. Je vais tout le monde dans le pays. Mais si blanc dit comme ça que. Nèg sa ki en bas ka fè business lan, li ba zam, li nan kidnapping, li nan tout zak malhonnête, mais justement, même si l'état fait pour jouer ensemble avec yo, moi même m'ap pren au sérieux parce que c'est moi qui ap victime pour tout bon. Yo me kidnappé pour tout bon. Yo viole madame moi pour tout bon, yo viole famille pour tout bon.
Yo fèm kite peyi a pou tout bon. Yo fè diaspora se nan pa ka antre nan peyi a pou tout bon. Mais de fait, nous prenons sanctions ça très au sérieux et nous prenons tout le monde qui aurait épinglé normalement dans sanctions, nous considérons comme pigot terroriste sous la terre, comme pigot ennemi société a et de fait, nous prenons dimension yo. Quel que soit côté nous quoi avec physiquement, nous quitté cadavre à terre parce que nous sommes des kidnappeurs, nous va fonctionner sur monde. Je dis à diaspora ici non. Nous 16 décembre, nous n'avons pas d'espoir pour rentrer dans le pays yo, pour aller passer vacances avec famille yo. Mais qui s'est passé là? Comme si nous trouvions ça normal pour m'accepter ça moi-même comme jeune garçon? Comme si côté mien là, pour ne pas faire un calcul, pour me dire comme ça que, eh bien, à partir de 29 décembre, pour ma loi famille dans la province, pour mes gens faire mal boire soupe avec famille, ça aussi des transitions que vous avez. Nous avons tiré la caille nous comme haïtiens. C'est un gros crime que le fait nous. Faut ne pas bêtiser avec ça. Régime de sanctions blanc prend là, n'a prend très au sérieux et n'a fait passer à l'action justement. Parce que ça qui a passé là, il n'est pas petit du tout. Et me dit nous de grande bagaille. Nous même capitaine de là qui se font mis en mes plateformes YouTube, InfoBeto. Continue à accompagner nous. Dans quatre batailles que nous avons menées. Prends responsabilité. Partagez l'émission de tous côtés. Like yo. Abonnez avec plateforme ça. Partagez sur WhatsApp, Facebook, tout partout. Le ça, vous facilitez plus haïtien. Tendez et comprenez. Vous facilitez pour prendre conscience tout. Parce que pile monde qui peut comprendre la réalité. Parce que ces médias traditionnels, ils ont tendez dans le pays. Je dis, ils ont une opportunité pour tendez moi-même, informer tout. Ils ont tendez Boost Stadium TV. Madame Sarah Foucault, Taxi C9. Jimmy Moun a fait mon TV. Je ne comprends pas parler Haïti. Denis Moun a fait mon TV. Tout bagay. Et bien attention, c'est des compatriotes comme si nous avons du cap du bail là, tout le monde lié. Là, blanc vient voir que. Qu'on parle qu'a parlé pas je me suis parlé pas que diversion qu'a fait là l'équipe de l'OCA nous connaît vérité là-dedans justement nous kembel pour tout bon nous pas décourager parce que nous résout problème manger déjà c'est pas ça fait peuple là pas qu'a fait nous ça fait peuple là yo connaît peuple pas capacité pour que mon bataille pour comme si pas du grand bon bout de temps mais nous même deux assassinats de Jovenel Moïse là nous suspectons grand pile nèg qui participer là-dedans avec deux assassinats jeune lumière là-dedans et même garantie pays a délivré nous dit n'a kembel là. Depuis le 7 juillet matin 2021, je suis venu à César. Évidemment, je ne connais pas la voix. Je suis 17 mois et quelques jours, je suis venu à Pirette. Et tout le temps, je vais foutre quoi de moi à tout le monde. Marie-Jovenel Moïse, je garantis le dossier. A plus fraîche toujours sur la plateforme, ça, comme tant de là. Et pas mal, petit capricule là. Mais justement, le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé la couleur encore une fois. Après que, justement, le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé que, à partir du mois de janvier, comme il y aura passé à l'action à travers les sanctions que vous allez prendre. Contre un pile nèg qui dans le secteur privé et contre famille tout. Contre un pile nèg qui dans la politique et contre famille tout. Je dis ça, c'est très intéressant, m'a tant pour moi. Je vais commencer à prendre petite Nel Kassi avec madame Nel Kassi pour voyer dans le pays d'Haïti. Prends petite Matéli, madame Matéli, voyer dans le pays d'Haïti. Prends petite toute nèg qui est sanctionné, madame, voyer dans le pays d'Haïti avec tout le même. Voyer en bas. Je vais prendre blanc, le ça, il passe à l'action pour tout bon. Et bien, qui s'est passé? Royaume-Uni, justement, debout du Royaume-Uni, où tu comprends que c'est États-Unis qui a frappé quelque part. Après le Canada, Royaume-Uni annonce que, à partir du 28 décembre, qui vient là, ils ont même pris des sanctions contre le paquet qui est dans le secteur privé des affaires dans le pays d'Haïti, qui a financé gang. Et contre le paquet qui est dans la politique dans le pays d'Haïti, qui a financé gang. Et bien justement, ils ont dit comme ça que, ou des sanctions dans le niveau qui est extrêmement difficile, contre que, ils n'ont pas même accès pour faire business dans le pays d'Haïti même. Ou est-ce que ça yo? Si yo prend yo vrai, ah, ils sont pas besoin, non? C'est juste, prends responsabilité, prends pelou, bourre tout, balle, ou commencez clean pays ya, parce que nous allons faire fatra pour nous retirer à travers toute la rue de Port-au-Prince dans tout le pays d'Haïti. Parce que fatra yo, vous parlez pas tout, vous parlez fou, quand il y a qui parle enragé, qu'on est en. Yo va pas voyager, petit tu vas dans le pays ya, dans fatra dans la boule de sortir, le ça nous allons commencer pelle criminel yo tout, mettez yo dans bourre fatra à jeter yo. Parce que c'est des moun, nous allons jamais quitter fonctionner dans la société haïtienne encore. Vous êtes mis société à cancer pour société à nous pas quitter là. Prenez responsabilité. En pile bon, on va parler. Eh bien, normalement, après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait annoncer que moi j'ai fait cabine là et que vous allez faire très fort, eh bien, justement, gagné Royaume-Uni qui a annoncé que le Pakatan, 28 décembre, cabine là, vous allez frapper. Eh bien, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies, Pakatan encore, il a annoncé la couleur. Il a dit comme ça que. Conseil de sécurité des Nations Unies pour aller réunir 21 décembre qui vient là autour des problèmes gang dans le pays d'Haïti et pour sanctionner les gens qui financent gang dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que le marché pressé là. Qui fait de route que les États-Unis américains en mêlent? Qui agenda que vous avez pour Haïti? Je ne veux pas être clair.
Parce que moi-même, personnellement, moi, je vais retourner à la caille. Et monsieur Diaspora, c'est un frère avec son mieux qui a souffert l'autre bois pour aller visiter, pour aller voir la famille dans le pays d'Haïti. Les gens qui empêchent le pays de marcher, on nous fait façon. On est de nous retirer en bas. Les gens ne sont pas qu'à ce monde. C'est des ravettes criminels qui ont eu. On nous force à bah, payer en chance. Justement, nous allons parler de qui sont ensemble avant. L'académie sur ça a gagné. Et congressman américain d'origine haïtienne, effectivement, qui a annoncé que à partir de 9 ou 10 janvier, qui là. Et que il y a une force militaire qui vient dans le pays d'Haïti pour que vienne en aide avec la police nationale d'Haïti. Il y a un pile monde qui interprétait la façon pas. Mais effectivement, quelque part moi-même je dire ça que me penser parce que madame non, quelque part il démenti propre tête dans ça que te dit. Comme si Nadjou ou contredit ça que te dit. Madame non te dit comme ça que une force militaire dans le pays d'Haïti pas possible. Ça va même de moi-même. Lui même encore il vient dit comme ça que l'on haïtien dans diaspora a dit comme ça qu'on pas de force militaire, c'est griot saute manger ventre plein tout ça. Et m'a dit madame non. Et c'est vous qui te plaint tout qui cause ou te fait des classes. Sauf que ça qui est important, le pays a besoin d'une aide. Qui est que lié? Justement, nous avons besoin d'une force. Une force, comme si nous avons anti-gang. Pour venir en aide avec la police nationale d'Haïti. Pour venir mater gang. Nous avons un délai bien précis. Nous avons besoin d'une force anti-gang. Que le 15 000, que le 20 000, nous tracer, nous évaluer. Tout permettre qui gagne, nous voyons que sinon, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, nous avons éradiqué toute gang de pays d'Haïti, avec toute gang à cravate, nous avons tout et tout, et puis nous avons dit de l'air, nous avons payé, nous avons dit merci. Ça va coûter l'État haïtien, l'État prend charge, comme l'an, l'État brûle à payer, j'en ai payé. Si nous avons payé un bourrade, nous avons payé. Mais ça qui est important, pour que nous connaissions, nous avons un pays, pour chaque nous en difficulté, c'est force militaire étrangère que nous avons cherché. Qui ça fait que blanc pas capable de bourrade, clairement? Pour nous capable gagner l'armée par dans pays là qui ça fait que blanc pas capable justement organiser nous comme si ou du moins ba nous aide dans niveau ça pour nous gagner militaire tout si chaque nous gagne gang c'est militaire étranger que nous besoin pour démanteler gang pour nous qui ça fait nous pas gagner militaire il est important pour gagner militaire nous gagne nécessité pour gagner militaire mais justement nous pas besoin militaire qui vient faire coup d'état nous pas besoin militaire qui vient contrôler territoire nous yo frontière nous yo pour la République dominicaine pas jamais faire que la faire là encore nous besoin militaire pour nous pas jamais gagner gang encore dans pays là. L'important, si nous avons des militaires, nous avons un grand jeune garçon qui est dans gang de pays là, il va être dans gang là encore. Nous avons un travail dans le militaire, nous avons sauvé. L'important, justement, en pile parle par parler, 21 décembre là, les Nations Unies pour réunir, en pile go palto, la Suisse, alors la Russie, la Chine, États-Unis d'Amérique, la France, Canada, en pile autre pays pour réunir là, pour parler de l'OCI, nous avons suivi de près, parce qu'il n'a pas direct. L'important pour nous dire. L'autre point qui a dominé l'actualité, c'est exactement l'invitation que le commissaire Okailan, qui est le commissaire Richemont, fait. Ancien sénateur, Hervé Foucan. Pour Hervé Foucan, venir répondre à une question. Commissaire gouvernement, eh bien justement, et 18 décembre, c'est ça? 18 décembre, qui là, n'a pas qu'à Okaï. Eh bien, Naptan. Naptan. De qui prévient? De qui manigance que commissaire là, convoqué, il y a un monde que blanc sanctionné. Est-ce que le commissaire a un document dans le mail déjà? Est-ce que le commissaire a écrit à l'ambassade américaine, à l'ambassade Canada pour le demander un document? Hein? Est-ce qu'il a un dans le mail déjà? Est-ce que tous ces blancs qui mandent le ministère de la Justice dans le pays d'Haïti pour le passer commissaire gouvernement, pour le passer par commissaire gouvernement au KLA, pour inviter le sénateur là, pour arrêter pour voir Port-au-Prince et puis à l'États-Unis? Ça, c'est des questionnements. On a continué à questionner jusqu'à date l'arrivée. L'important, je dis à nous exactement, 16 décembre, encore une fois, 2022, nous sommes plateforme Panouan, qui s'appelle plateforme YouTube, InfoBetoa. Je dis nous bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous. Ça, vous me faites du bien. À chaque fois que je me connais, je viens parler de moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons, de ça qui dit dans l'Académie Panouan, qui passait sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube Info Bertoa. Parce que il est clair que, eh bien, nous entendons, nous comprenons, nous apprécions la violence, c'est normal pour que nous capables de gagner. Ça nous capable de briller une réaction. Réaction Panouan, pas de l'autre côté que nous capables de faire, c'est exactement côté où tout le monde déjà commenté, a dit ça que vous pensez, a dit ça que vous comprenez. Partagez, commentez, like. Abonnez si nous pouvons abonner. L'intéressant. Nous prenons partager ensemble avec vous une déclaration que ancien sénateur, alors madame, monsieur, t'as fini, Guy Philippe fait pendant que l'on est en prison. Après déclaration que
et avocat qui Philippe Lafine fait. Côté que avocat fin annoncé que d'ici 7 pour 8 janvier qui vient là, Guy Philippe a une chance pour rentrer dans le pays. Parce que donc avocat dit comme ça que il a déjà gagné mail, il y a un document côté que sénateur Guy Philippe bénéficie en liberté provisoire dans la justice américaine. Et mais il dit il gagne la mail, il dit dans jour que pour venir là pour voyager et le 7 pour 8 janvier là pour rentrer dans le pays avec sénateur Guy Philippe en chair et en os. Il te fait déclaration, il te fait dans de hier. Mais sénateur Guy Philippe parlait hier dans James Pierre, effectivement nous allons gagner pour nous faire un petit extrait dans l'interview ça qu'il fait avec journaliste James Pierre depuis les États-Unis d'Amérique. Et nous pourrons continuer avec série de formations. Mais nous avons avancé avec point ça qui domine l'actualité, qui c'est arrestation, yon proche, yon bois droit et Reginald Boulos dans le pays d'Haïti. Citoyen Sarele, Franzi Valmé, peuple haïtien. Valmé, Franzi Valmé, yon proche Reginald Boulos de MTV Haïti et c'est membre fondateur parti politique ça qui c'est MTV Haïti et parti politique et secteur privé yo et que on mettait là Boulos tant vivre président et qui t'en monté parti politique li et ben justement c'est ça qui fait que Boulos organisé là avec rapidité il était gangsterisé tout pays à net ceinture tout pour là avec gang dans souci pour que l'li aller dans élection pour qu'elle bon facilité pousser tout gang toute zone côté gang yo contrôlé ya qui pour gagner élection pour le même seulement qui pour gagner contrôle territoire ça pour faire campagne dans territoire ça parce que pas oublier depuis dit ghetto dans pays d'Haïti depuis dit groupe gang dans pays d'Haïti c'est Boulos qui contrôlait ça après Jean-Baptiste Aristide tu viens perdre du contrôle en pile gang dans pays d'Haïti parce que nous connaît que groupe mouvement armé jeunes garçons dans pays d'Haïti nous pas faire ça pour ne pas applaudir c'était ancien président Lavalas là qui c'est Jean-Baptiste Aristide qui t'a commencé armé jeunes garçons à travers l'armée rouge la petite manchette et ceci gang ça te commencé plusieurs côtés dans l'institution la police même ou connaît ça veut dire que Aristide t'écraser la médaille Haïti lui monter la petite manchette OK Aristide t'écraser la médaille Haïti lui te monter la main rouge nous songer en 2004 2005 si me pas tromper moins c'était Léon Charles qui te vienne ba en bourade dans gang ça yo qui te dans la police à l'époque et m'espérer que nous comprenne ça et peuple haïtien parce que ça qui a passé là, tu rappelles ça, il est important pour nous. Eh bien, normalement, Jacques Ndjoulan, Reginald Boulos, il y a un petit problème, et que nous vraiment fâché là, parce que non, Franzi Valmé prend la rue, parce que le jour d'arrestation, monsieur, il n'y a pas de monde qui connaît. Information vient de sortir, c'est avant hier là, ça veut dire que pas qu'il y a 3 jours depuis l'information sorti, que yo, alors c'est des gens, justement, qui doivent partager l'information avec la population, hein, qui fait effort, qui prend des risques pour que vous partagez l'information ensemble avec nous. Effectivement, nous disons bravo avec les compatriotes qui partagent les informations ensemble avec la population haïtienne. Eh bien, normalement, ça qu'on doit connaître. Et Franzi Valmé, ça, je souhaite que depuis ces gens qui ont kidnappé dans la zone d'Elma, dans Petionville, sous zone la Luboudon, Canapé Vert, il faut faire effort à porter plainte au niveau de CPJ. À porter plainte de CPJ, pour aller faire rappel que vous êtes kidnappé sous Delma. Parce que Franzi Valmé ça, il travaille pour Reginald Boulos et c'est monsieur c'est cap contrôler aux zones Delma, zone Petionville pour kidnapper moun. Et là kidnapper moun, là c'est au bail vite l'homme. Gen moun li kidnappé zone et route frère, là li passe pas vite l'homme, il y a c'est dans 400 Marozo. Gen moun yo kidnappé dans zone Petionville Delma, il y a c'est la Caizo et il y a c'est la Kempes sous Bel Air. Ça veut dire que aujourd'hui, nous devons connaître que kidnapping cap fait là, c'est pour bagarre comme si on a dit iso ti l'appli et ti me dire ça pas tout connait qui dans ghetto seulement. Non. Non, il pas facile comme ça. Il y a des nèg qui dans la rue qui ont accès pour marcher dans la rue avec zam sou yo, qui des policiers dans côté yo, c'est des policiers fantôme 69 évidemment qui monter groupe terroriste pour kidnapper moun dans toute la rue de Port-au-Prince. Kidnapping, l'agent kidnapping ça yo, côté aller, il y a des criminels notoires, des immigrants qui soit disant élite économique dans pays d'Haïti. Qui prend contrôle le pouvoir politique là, qui contrôle l'économie pays là, qui va que nous petit casse-cop dans mais nous yo pas reprendre mais nous, yo met nous kidnapping dans pays là pour faire nous forcer bête comme ça dans kidnapping dans pays peuple haïtien. Et ben justement, ou même comme jeune garçon qui connaît que Boulos met kidnapping ça dans pays là. Pour fin avoir ou gagne bail pour faire pour tête ou doit porter plainte. Tout le monde qui a été kidnappé porter plainte.
pour des plaintes parce que l'argent kidnapping ça y a un côté qui est allé. L'argent kidnapping ça pour au fin de penser. Parce que son l'argent qui est presque 100 millions de dollars américains pendant 24 mois. Pendant 24 mois kidnapping, non? Yo dit l'argent ça parce que généré plus passé 100 millions de dollars américains. OK? Ça veut dire que c'est bon l'argent petit que lié. Boulos ou pas, boulos chance du tout. Sous kidnapper pour nous traquer à tous les niveaux. Il est dans tout le président. Il est dans tout le chrétien vivant dans Port-au-Prince. Il est dans kidnapping dans le pays. Ou de passer pour monsieur tout partout. Parce que Dieu soit habité ça, c'est monde qui a contrôlé, mais pas qu'à tout le monde. Assumez responsabilité comme peuple. N'a pas continué la bataille, peuple haïtien, parce qu'en pile parole, prêt à parler ensemble avant là. N'a pas avancé avec déclaration, congressman américain, non, qui c'est d'origine haïtienne. Nous prenons le fort dans la déclaration là, dans l'académie ça. Justement, ça qui dit, qui j'en que population haïtienne, non, effectivement, ou déclaration, congressman, non. Justement, il a parlé avec. Plusieurs journalistes, il y a des journalistes qui ont commenté sur ça tout. Dans Radio Télescope FM, il y a Guiche Adoré, c'est pour Guiche Adoré spécialement, que nous allons partager ça ensemble avec nous. Même nous allons entendre tout Valérie Saint-Louis, qui a parlé ensemble avec le Congrès maintenant. Justement, nous allons entendre là. Dans le cadre de mission, ça, tout de suite, peuple haïtien. Racine dans la maison. La bouche. Et l'important, pour que nous entendions ça, nous allons entendre ensemble avec moi, intervention Guiche Adoré. Et tu as fait sous déclaration que congressman américain nan, qui c'est d'origine haïtienne, Madame Sheila, effectivement, il te fait déclaration ça dans Valérie Saint-Louis. Eh bien, tu as gagné Gary Pierre-Paul Charles avec Marco, effectivement, qui t'a commenté ça qui dit. Normalement, moi-même, je vais faire effort pour que nous fassions t'entendre ensemble avec nous, prêtez attention nous. Et demandez-nous ça, prêtez attention nous pendant quelques minutes. Pour que nous comprenions évidemment ça qui dit dans déclaration yo. Nous pouvons entendre ça qui dit yo dans déclaration. En nous entendant là, et peuple haïtien, avec un peu d'attention, et puis nous avons tourné pour commentaire yo. On avance là. Donc, député américain, non, et Walter, député américain, non, qui d'origine haïtienne, chez la chère Philus. McCormick, Benny, ok. Nous entretenons la voix de la mairie et il annonçait que nous allons prendre des autres sanctions contre les politiques et même le secteur privé. Et il annonçait tout une force qui peut entrer en Haïti dans le commencement de janvier pour soutenir la police nationale là, pour être capable de déloger Gangue et protéger Timounio. Nous avons le temps de outils sont tout petit et puis après ça, on fait commentaire et M. Guiche Adoré. Walter, on allait pour nous, si vous êtes capable, et je ne sais pas. On allait, Walter, ministre. L'équipe en absorbe, c'est un peu une UN force, c'est ce qu'on appelle au pire de l'autre monde à rentrer. Ce n'est pas une force militaire, c'est une force à rentrer. Bon, mais pas la cour pour autant, puis on a descendu toute gang. Quand fini après ça, souvent nous commençons à aider la National Police, puis on a la larrière, puis on a gagné gang. Donc, on continue pour nous renforcer la National Police. Ça nous demande de moi spécifiquement, parce que si nous avons protégé les gens, I sincerely believe nos voisins haïtiens, américains, haïtiens, Canada, qui là avec nous là. Parce que nous connaissons, si nous avons un haïtien qui est américain, un haïtien candidat qui est là, nous pouvons protéger nous avec nous pas qui au mal, nous venons en Haïti. Donc, quand nous avons un mal, nous pouvons faire ça plus vite. Après, the rapid response team, nous avons là pour nous une semaine, nous avons une transition to have more information in the ground with the police force, but also the humanitarian effort. Nous pouvons songer ça. Puis le problème là, nous n'avons pas gagné manger. Ça c'est la première fois in Western Hemisphere that nous gagnons a famine on our hands. La première fois. So si tout le monde pas comprendre ça, passer là avec the necessity for us to have a rapid response team, the necessity for us to have the Haitian diaspora involved, then we'll never get to a place where we can see our country rebound. Équipe d'intervention rapide, ça va parler de lien, c'est pas une force armée, j'en sais dire là, ou plutôt dit que c'est les Nations Unies qui a voué plusieurs forces, c'est-à-dire que des militaires quand même, si nous comprenons bien. Et là-dedans, nous avons besoin des Haïtiens. Dans force ça, à des membres, dans force ça, force d'intervention rapide, ça, qu'à Haïtiens, il y a plat pour un petit temps. Et maintenant, question, deuxième volet, question, nous, comme déposé, nous avons une seconde réponse avec ça, et si nous discutons de ça avec l'officier des Nations Unies, qui le exactement que
et s'il vous plaît, intervention rapide ça fait en Haïti. Est-ce que vous avez une date pour ça? Nous parlons on that, man. That's something we're going to that's approaching very quickly. Come January 10th, le 10 janvier, nous connaissons, il n'y a pas d'élection. So, il y a un peu de monde qui connaît sa chita, la gouvernement, sa papa, ou they're going to be extending their term. Nous parlons quitter juste à venir sur nous, parce que si juste à venir trop vite, nous avons gagné sa carrière pique. So, nous avons fait faire tout bagay en bon laissant. Mais il est très important pour nous comprendre, nous devons protéger Timoun. Nous devons protéger Timoun. Avec le gagné un Timoun, comme tu parles avec nous, on dit pour merci, ça. Merci, merci, merci. Donc, c'était Congressman Nak qui a parlé, qui a annoncé que des sanctions par point 1 et puis deuxièmement, il y a une force d'intervention rapide qui va venir pour accompagner la police pour déloger Gagno. Et puis il parle tout de misère, de la famine de Timounou parce qu'il y a besoin de manger, il n'y a pas qu'à manger à cause de Gagno. Donc, quelles sont vos réactions à partir de cette déclaration? Finalement, est-ce que force ça vient tout bon? Est-ce que Guichardo est capable de faire un ben, point de vue par rapport à force ça par l'entrée en Haïti à partir de, du 10 janvier ou bien deuxième semaine, mois de janvier? Bon, moi, intervenu sur ça déjà. Moi, je crois que les forces nationales ont montré qu'ils n'ont pas de capacité pour sécuriser le pays. Bon, c'est pas juste comme ça. Et maintenant, on se rend compte qu'avec la multiplication des bandes armées un peu partout sur le territoire là, par exemple, dans la zone Liancourt, par exemple, zone d'attaque comme des problèmes, non, un peu partout sur toute la, zone, la route nord, en fait, la route nationale numéro 1. Canaan. Etc. Tout, oui, oui, tout ça. Donc, moi, je crois que nos besoins ont un appui international. Donc, mon cap dit qu'il n'y a pas besoin parce que là, encore une fois, ils ne sont pas conscients de la nature du problème. Moi, je crois que nos besoins, ça. Bon, maintenant, est-ce que nous avons besoin de nos spirales tout le temps, la besoin de force pour ne pas même développer capacité pas. Mais même, moi, je crois que, parce que remarquez que tout ça, il y a, y compris l'ambassadeur, non, et il a posé une question, il dit, bon, car, peut-être si tu as gagné police, militaire. Mais personne ne va venir nous gagner la main dans le pays. Y compris des amis d'Haïti, ou pas vrai pour Haïti, qu'on l'a vu. Moi, je crois que je dis, c'est vrai que ponctuellement, nous avons besoin de force, mais non, il faut que nous gagnions l'appareil sécurité pays au complet. Elle a dit que renforcer la police nationale, augmenter l'effectif des forces armées d'Haïti, avoir un service central de renseignement dans le pays. Pour nous gagner un continuum de sécurité sur tout le pays. Et deuxièmement, nous avons un plan national de sécurité. Normalement, et ça va nous apporter tout côté, tout pour nous intervenir, pour nous un continuum de sécurité, pour nous garantir la sécurité du pays. Donc, moi-même, quoi ça, si on vient, il ne faut pas faire même bagarre que nous fait depuis 1994. Il y en a 94, en fait, puisque 25 ans, on a toujours gagné, chaque temps, on a une force multinationale dans le pays, nous avons des problèmes. Donc, autrement dit, donc, on m'a dans la chaîne de sécurité que vous refusez de gagner. C'est l'institution militaire. Moi, je crois que nous besoin l'armée pour permettre de protéger les frontières, pour nous permettre de gagner l'éducation à la citoyenneté, formation civique à des jeunes. Bon, ben, jeunes qui n'ont gang là, ils disent, mais si vous avez l'armée, vous n'avez pas parce que vous êtes militaire. Parce que vous avez récupéré rapidement l'âge 14-15 ans pour bon, ce type de formation, pour entrer dans l'institution militaire, pour orienter pulsion, comme pour reprendre le thème du colonel Rébu, ça a rien pour faire le débat. Donc, l'armée, nous besoin l'armée pour une institution d'intégration sociale. Nous besoin, la police, elle seule, moi, toujours dis ça, ne peut et ne saurait, n'aura pas la capacité pour sécuriser Haïti. D'autant plus que la mentalité en Haïti, sociologiquement, notre schéma mental est un schéma militaire. Donc maintenant, moi, je crois que nous besoin l'armée pour nous permettre, un, sécuriser le territoire là, protéger frontières nous, protéger, faire activité de développement, également renforcer les capacités pays dans d'autres domaines, par exemple, l'éducation à la citoyenneté, formation civique, une institution d'intégration sociale, par mon emploi, parce que nous besoin l'armée des métiers. Moi, je crois ça. Nous besoin service de renseignement, parce que nous, on a grand pile monde de pays, pas de Duval, ou pas de renseignement dans le pays, ou remarquez que le fait qu'il n'y a pas de renseignement, ouais, ça s'arrive, non. Donc, nous n'avons pas de contrôle sur le territoire. L'État haïtien perd le contrôle du territoire. Nous pas qui est qui fait quoi sur le territoire. Donc, on a besoin de services centrales de renseignement pour jouer avec les institutions de l'État pour nous gagner contre le pays. Donc, on croit que nous avons besoin, effectivement, de façon ponctuelle, nous avons besoin de ça, mais il faut que nous ayons une capacité institutionnelle pour nous gagner l'appareil de sécurité au complet. L'armée, la police nationale et les renseignements. D'accord. Alors, vous se dit là, Guichard Doré, que les amis Haïti ont tout, pas pour nous gagner en force armée. Même bien en pile dans nous en Haïti pas pour que nous gonfons force armée encore, mais est-ce qu'on pas quoi nous pas besoin d'amis d'Haïti pour qui qu'on s'il besoin force ak s'il pas besoin force si nous toutes reconnaître ou bien bon reprendre même moi si nous toutes conscient que nous pas vivre sans l'armée donc nous t'entendre nous sur ça faut que l'armée
Bon, effectivement, mais ça qui est, c'est que il y a un pile monde tout qui pas dit où l'armée a fait coup d'état, etc. Moi, toujours dit avec argument ça, l'armée d'Haïti, ce n'est pas lui-même qui fait plus coup d'état dans la région. Il y a un autre qui dit, oh oui, l'armée, on l'a décroisé. Je dis non, encore une fois. Soit regardez l'histoire de l'Amérique latine, l'histoire militaire en Amérique latine, l'armée d'Haïti est placée dans des années-lumière des pays qui ont violé les droits humains. C'est vrai de reconnaître. Il y a des trois militaires qui étaient dans l'institution. C'est ce qu'il faut aller faire. C'est prendre sanction contre la derrière, le bouquet, etc. Mais ce n'est pas l'institution de l'Église. Parce que le fait qu'elle crase la médaille, nous rendons compte de ce qui passe. Toutes villes professionnelles, ils ont laissé abandonner à eux-mêmes. Les sections communales ont abandonné. Même pas en presse qui a gagné des bataillons qui ont sécurisé, ils ont abandonné à lui-même. Donc, il n'y a pas qu'à fonctionner sans ça. Et puis, le contrôle du territoire, nos pays unis, etc. Moi-même, je suis un petit. Le grand problème, il y a trop de bagages qui sont arrivés dans notre territoire en termes de sécurité. Demandez le soumis le président de la République. Le président, le responsable. Point ça, Guy Chadoré a fait. Là, pas oublier Guy Chadoré, c'était conseiller président du président Palais. Et effectivement, c'est professeur, justement. Et pour ça que l'a fait là, c'est un point qui est extrêmement important et qui est très sensible d'eau parce que pour les pays d'Haïti, le pays n'a pas de ça relève service d'intelligence. L'État dépense comme là pour lui, mais les gens prennent comme là. Ils prennent comme là, oui, mais c'est non pas de service d'intelligence là. Ou imaginez aussi pays a des militaires comme si, comme ça, pour les gens qui sont président, ou des militaires, c'est. Non. C'est ça comme quand il fait autant de Guy Philippe là, qui font point qui est extrêmement important. Ok, Guy Philippe font pour la son pour être chargé, et que y a des gens qui peuvent déranger par rapport avec Guy Philippe là. Guy Philippe s'est menté pour lui dire, s'il était là, il n'y a pas de catouiller président, c'est du négatif. Il s'est dit, s'il était là, il n'y a pas de catouiller président. C'est ça que m'a dit, Guy Philippe là, quelque part. Vous avez tout pour le ravel, mais même pas bon, si c'est un haïtien. J'ai Haïti là, Haïti t'a coué dans l'issue pour une décision, t'a coupé de elle. Parce que vous avez M. Gisala Kali. Il a fait tout, parce que pas de monde qui peut faire. Mais effectivement, je garantis que vous êtes Guy Philippe. Si tu es dans le pays, Matisse n'est pas là pour bloquer, je garantis nous ça. Ou qu'a dit sauve les délits. Dans le pays qui fait ça, je ne bat là moi-même. Justement, je ne vais pas rentrer pile, ouais, c'est ça. Je n'ai pas oublié 2004, je vais te confier Port-au-Prince, je dis nous ça honnêtement. Je entendais exactement le pays qui fait. Je ne vais pas rentrer dans ça pour que je ne défende les défendables quelque part. Je ne vais pas le faire tort avec les gens qui étaient victimes dans le moment ça. Ok? Je ne comprends bien pas pour me dire ça, je dis. Mais effectivement, je dis nous que dans le contexte que le pays d'Haïti là, tout le monde fait, ouais. Tout le monde coupable. Si nous ne pouvons pas connaître tout le monde coupable, garantis-nous. Nous ne pouvons jamais mettre nous ensemble pour nous vider le compte sérieux. Et puis pour nous retirer Haïti, dans ce que nous trouvons là. Tout le monde coupable. On continue d'entendre le professeur Guy Chadoré. Et puis tout de suite, nous allons rentrer avec le sénateur Guy Philippe qui font une déclaration tête chargée. Côté que Gampil n'est qui panique quelque part. On avance. De laver, déposer au bureau du président de la République tous les matins pour dire comment le pays a réveillé. Donc, les gens résument, tout comme moi, il y a le président Macron, il y a le CIA, il y a le président Biden, on rapporte comment le monde réveillé. C'était comme ça que le pays n'a pas fonctionné. Donc, grâce à tout ça, nous pensons qu'il y a qu'à fonctionner. Haïti n'a pas fonctionné sans laver. Il y a mal regardé la constitution de 1805 de deux années. J'ai dit, pour mon haïtien, il faut qu'on ait un bon époux, un bon fils et un bon soldat. Surtout un bon soldat. Donc, c'est dit que la notion militaire en Haïti, de ne pas gagner ça dans notre histoire, chaque fois que la mer, il y a un problème avec la mer. Il y a un groupe rebelle qui chasse Haïti, c'est parce qu'il n'y a pas de la mer. Ah, Jovenel Moïse assassiné pour un groupe qui dit aux mercenaires, etc. C'est parce qu'il n'y a pas de la mer. Si de la mer qui a sécurisé le pays, on peut s'en arriver, dis tout pas. Donc, moi, je crois que dans notre histoire, nous avons besoin de la mer, l'institution militaire, nous avons besoin. Mais pas seulement pour la mer, pour faire ça, il faut que nous avons une bonne nouvelle doctrine pour la mer à contourner le. Sphère d'activité pâle, pour la police toujours faire des actions. Bien entendu, une police réformée, une police renforcée, qui a fait des actions entre les citoyens et nos bons services centrales de renseignement pour nous connaître qui est qui fait quoi sur le territoire. Donc, moi, je crois qu'il y a un continuum institutionnel de sécurité que nous avons besoin. Donc, comprendre que si Blanc, c'est même Général Bin fait depuis 2014, parce que seulement c'est la police qui a fait sécurité, parce qu'ils font un jour pour retourner tout le temps, parce que vous faites nous l'aide, parce que nous avons besoin des trois institutions de sécurité comme il existe en République dominicaine. D'ailleurs, la République dominicaine, il y a 135 000 personnes seulement dans le service de sécurité. 135 000. Donc, c'est les mêmes. Donc, nous avons besoin des institutions de sécurité, l'armée, la police et les services de renseignement. Dernière question, Guichard de Remda, son question, mais en termes de suggestion, est-ce qu'on est possible? Pendant force d'intervention rapide, est-ce que le Patrick a tout venu avec des experts pour ta force et Nishita ensemble, pour au moins nous être capables d'entendre un consensus pour nous capables d'organiser l'élection?
Bon, moi-même, moi, je crois que c'est Ariel qui va le faire l'élection. Et moi, j'ai toujours dit ça déjà. Ariel va le... Ah, c'est Ariel qui va le faire l'élection. Est-ce que nous, quelqu'un a dit ces mêmes gens, Jovenel va le faire l'élection tout? Non, mais Jovenel a une contrainte juridique. Ariel n'a pas cette contrainte juridique. Mm-hmm. Non, parce que Jovenel avait deux difficultés. Premièrement, c'est qu'on parle de pas de le budget. Et d'ailleurs, Gary Ouli a dit, Radio-Canada, il a dit ça tout à l'heure. Exact. Deuxièmement, il y a une loi électorale, vous parlez de voter, pas de voter. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui a empêché Ariel pour des prêts électoraux? Personne. Qui est-ce qui a empêché Ariel chercher des groupes, institutions et de la société civile pour son conseil électoral? Personne ne va empêcher de faire ça. OK? Donc c'est Ariel qui va refaire l'élection. Okay. Je ne pas croire que il y a des gens qui va Ariel contre pour faire l'élection. Autrement, il est en train de battre aussi des groupes politiques qui ont l'autre groupe qui dit il y a besoin pour 3 ans. Il me dit, mon cher, c'est moi pour 3 ans là déjà. Et tout à l'heure, donc, selon vous-même, selon vous-même, monsieur, vous allez chercher le monde et puis le monter conseil électoral li, et puis avancer dans l'élection. Mais il y a plus de monde qui conscient que la sortie heureuse de la crise, ce n'est pas les élections. Quel soit le groupe qui vient pour remplacer Ariel là, c'est dans la crise ou pas les pirates. Donc, c'est l'élection qu'on fait. C'est Ariel qui va prendre l'aide. Donc, Ariel peut utiliser la logique du passage en force. Et puis, monsieur, mettez conseil électoral libre et puis organisez les élections. Non, non, c'est pas passage à force, Gary. Écoutez, c'est ah, pas mais si pas qu'il y a un consensus non, avec mais le consensus, écoutez, il y a consensus, c'est consensus. On va mettre tout le monde d'accord avant. En Haïti, à ma connaissance, depuis le débat du Valais, moi, je mets tout le monde d'accord avant. Tout à fait. C'est une manière de faire. Ce que le gouvernement doit faire pour moi-même, je vais pas conseil, mais si vous pouvez l'attendre, c'est ouais, en sorte qu'on a réduit problème de sécurité là, ou bien diminué de façon considérable. Et deuxièmement, mettons au conseil électoral. Moi, je pense que tout le processus au cas l'ensemble. De là, dit, mettons en place au conseil électoral aujourd'hui à là. Ça ne va pas empêcher le faire, non? Personne ne va empêcher le faire. Je ne vais pas croire au monde, je me dis, je ne vais pas le gouvernement faire un conseil électoral. Ça, il dit gouvernement, moi, on va faire rien. C'est ça tout qu'on a dit. En une minute, Guichard Doré, est-ce que nous capables et dit nous, à partir de ça qu'on a fait, intervention force rapide, ça, on a bon espoir pour nous, Haïti, et ça nous déconne longtemps. Bon, moi, je pense que peut-être que l'IPAL résout des problèmes immédiats, des problèmes structurels, yo, tout le temps, on va mettre les 3 forces de sécurité pour nous là, je pense que pas résoudre. Peut-être que le blanc, comme il n'y a pas de temps, on expecte à parler, il a dit que le café gang, il y a un peu là-dedans, il prend des armes là-dedans, acheter, comme ça, c'est fait depuis quelques années, ou bien il y a rentré dans le trou, etc. Mais maintenant, je ne sais pas, même pas dans le désarmement, vous. Donc, moi-même, je crois que nous avons besoin des forces nationales qui pouvaient travailler ça. Pendant que là, pour permettre, nous avons les forces nationales, les forces de sécurité pays, les 3. Pas seulement la police, parce que puisque vous c'est la police seulement. La police seulement, il y aura un compte que la police a pour eux. Même eux-mêmes, ils ne sont pas capables. Pour qui ça, les après tourner eux-mêmes, ils ont militaire. C'est parce qu'on connaît que la nature du problème, c'est une nature de type militaire. Donc maintenant, il faut que nous permettons de gagner, augmenter les effectifs des forces armées d'Haïti, nos services centrales de renseignement et renforcer la police. Moi, je pense que c'est 300 € pour qu'on continue en institutionnel de sécurité pour pouvoir y aller d'avant. Mais maintenant, si c'est des populations coupées pour qu'il y ait même bien des faits de 2014, tous les 3 ans, tous les 4 ans, il y a toujours des problèmes, il y a toujours besoin. Donc, nous avons besoin de résoudre le problème définitivement pour dire que nous avons toutes les institutions de sécurité, constitution et la loi de la République reconnaître. Merci beaucoup, Guichard Doré. Merci beaucoup à tout auditeur qui a écouté nous. Très bien. Merci, Marco. Donc, nous sommes parlé là à Guichard, sous force cap venir, force intervention rapide. Monsieur Pou, force ça, mais monsieur Dubaï qui est extrêmement important. Monsieur dit Ariel qui va organiser l'élection. Donc Ariel a utilisé la logique du passage en force. Même moi, Ariel plutôt cherche un consensus qu'il n'a pas besoin. Bon, si Ariel a cherché consensus tout, il va pas faire l'élection. Je pense que c'est ça depuis un an. Parce que consensus n'a pas venu comme ça. Tout le monde va bien mettre avant. Et Jean-Guichard Dia, et même pourquoi j'aimerais le gouvernement, ça a essayé, mais ton conseil électoral. Mm-hmm. Il va essayer. Il a essayé, vous contestez. Il a essayé, il va essayer. Donc, si vous voulez faire élection, au moins, on va vous mettre ton conseil électoral. Mm-hmm. Mais si vous ne pouvez pas parler de conseil électoral du tout, c'est pourquoi vous faites élection. Mm-hmm. Bon. Pas de faire élection. Ariel Henry, et Ariel, c'est Roi Henry pendant l'élection. Roi Henri Cap dirige pays avec Marjorie Michel, Gang Fantôme 609, tout partout, Francel Bechef, Gang Fantôme 609, qui sont dans tout le président. Pas gain faire élection. Faire élection veut dire qui ça? Faire élection veut dire comme si Nadjo, tout dit m'a retiré tête au pouvoir. Est-ce que l'élection veut quitter le pouvoir? C'est seul peuple là. Oui, si le peuple a voulu prendre son bitel, là va prendre. Mais s'il voulait quitter Ariel Henri là toujours, et bien justement, quitter Ariel Henri là toujours. Même garantis-nous, plus nous quitter Ariel Henri là, c'est plus t'as prendre balle dans la tête. Plus nous quitter Ariel Henri là, c'est plus ça kidnapper nous. Plus tout qui d'Ariel Henry là, c'est plus simple pour quitter le pays. Parce que Ariel Henry, il symbolise la criminalité, le kidnapping,
tout zak malheur dans le pays. Et c'est l'argent seulement qu'a fait, pas qu'on tout rate qu'a bouché dans le pays, et puis il y a un budget tête chargé pour nous garder l'argent. André Michel, à l'école, pas de problème. Mais sauf que le régime de sanctions en attend quelque part. En pile parole pour aller parler dans l'académie sur ça. Moi, dis nous clairement que Guy Philippe, comme normalement, comme ancien sénateur, parce qu'on est capable de dire Guy Philippe, ancien sénateur, parce que Guy Philippe déjà a 6 ans et d'ailleurs, ok, on est capable de dire Guy Philippe son ancien sénateur, eh bien, parce que le mandat a fini évidemment. Et Guy Philippe, comme ancien sénateur, il fait une déclaration que nous trouvons qui est extrêmement important pour que nous partagions l'ensemble de l'académie sur ça. Et qui déclaration que lié. Guy Philippe dit, s'il était là, il n'y a pas d'assassiné le président PIA, qui est président Jovenel Moïse. Il fait déclaration ça, dans le micro journaliste James Pierre, que nous allons tendre ensemble avec nous là, qu'il est important pour que nous tendons ensemble avec nous. Guy Philippe, peuple haïtien, dans le micro journaliste James Pierre, depuis les États-Unis d'Amérique. Alors attendez, et puis nous allons tout de suite pour un petit commentaire. Il est extrêmement important pour nous tendre ça. Parce que ça est important. M'tarien, mais qu'on y a là, si vous permettez que, si vous permettez, ancien sénateur Guy Philippe, que nous font-il parler de ancien président Jovenel Moïse. Guillaume Bagay, extrêmement important, qu'on te dit, avant que peut-être nous faisons entrevue ça, ou te dit que si ou même ou t'es là, ancien président Jovenel Moïse, pas tap mouri, Jean mouria. M'pense que ça te un petit Jean attiré attention. L'autre dit, et peut-être nous avons une possibilité ouvertement là pour expliquer qui ça qu'on veut dire. Qui ça qu'on veut dire exactement, l'autre dit, si ou même ou t'es là, ancien président Jovenel Moïse, les mêmes les patates mourir comme ça. C'est ça, m'dou, l'aime de pas l'avoir hier, m'dou, que moi, m'a été quoi. Et d'ailleurs, c'est une raison qui a toujours été tenace pour une justice. Pas pour perdre, mais seulement. Pour une justice pour tout le monde, ça, tout jeune garçon, tout jeune fille, tout paysan, ça, nous dépend, après un cyclone. Fin ravage et grandance. Quand prend la ria, qui gon espoir, là où même yo, yo senti pral voyon nèg qui pral défendre intérêt yo. Pour changer ça. Nèg yo fait ça, ça, 5 janvier 2017. Bataille va annoncer pour tout petit monde, ça, ouais, par exemple, et dans fond cochon, dans boudon, et dans chambénan, ou bien dans troisième section, il voit qu'à traverser combien passe l'eau à l'école, qui va même bien, banc, qui va même bien, et tableau. Côté yo, gagne dans moi, yo dit yo bon espoir. Vous tout pral voter nous. Et vous votez nous 3 fois. Parce que vous êtes quoi que avant d'avoir des changements. Et vous êtes sûr que vous quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes kidnappé. J'ai un grand dossier là. Et j'ai un pays là, il a pas comme ça. Et pas la gagne, j'ai un président Jovenel d'a mouru. Parce que depuis, il y a un gars qui fait en janvier, tout 2 mesures d'apprendre, nous t'appelons là, nous t'appelons conseiller président. Parce que moi-même, je ne parle pas là, président. Depuis, je vais avoir une source pour le président, tout ça, président, dit le bon. Président, pas un spécialiste en sécurité. Moi-même, comme spécialiste en domaine, je tape dans le conseil pour nous prendre des mesures pour nous sauver la ville et pour nous défaire que Haïti ne tourne pas. Ça tourne là, on terre qu'on y a là, que c'est gang qui a contrôlé. Nous avons des plans pour écraser Haïti et nous avons toujours campé en face de plan. Nous avons planifié, nous avons conspiré et nous avons fait ça, nous avons fait ça, 5 janvier 2017. Nous avons demandé justice pour le président Jean Krasil, justice pour le peuple moyen qui votait. Et qui connaît les fins de la loi, il y a une immunité, c'est ça la loi dit. Et il y a 6 ans pour la travail pour lui. Il a crasé l'espoir du peuple. Et moi-même, je combattu tout pour petit, pour famille, pour amis, pour tout le monde, pour abus. Non seulement moi-même, mais toute nation. C'est extrêmement intéressant, une déclaration comme ça, vous faites, pendant que nous connaissons que vous êtes arrêté sous. Processus et jugement ont été fait sous président. Jovenel Moïse, et nous connaissons qui gens que le gouvernement haïtien a réagi dans l'époque tout processus de jugement pour là, aux États-Unis. Malgré ça, on était quoi que, ou même, si vous êtes là, président Jovenel, il n'y a pas de mourir façon que le mourir, ou t'as campé avec lui. Moi-même, je vais regarder moi-même qui j'aime. Je vais tout le monde, président Jovenel, pas chef, il n'y a pas de patron. Nous sommes sénateurs, on peut prendre mon mandat, on va le faire mandat, mais en même temps, nous sommes haïtiens. En même temps, nous sommes citoyens, nous reconnaissons que le président c'est chef de l'État, c'est chef de l'État haïtien. Comment vous avez dans le pays, vous avez quitté 20 grands mercenaires sortis dans l'autre pays, dans confiance loi avec l'ambassade de l'autre pays, avec des oligarques en Haïti, 11 secteurs dans la place politique en Haïti, pour nous assassiner et humilier un pays comme ça. Ça va être fait. Et on va faire le tout, parce que vous connaissez que vous avez une réponse. Donc, moi-même, je regarde avec tristesse, Jean.
processus et soi-disant justice pour le président Jovenel l'a fait. Pour moi, son vaste blague, son lance, son barrage écrasé, même le président a mouru. Et qui en pile monde qui attendait, vous attendez sérieusement, nous ne pouvons jamais dire. Donc pour moi, son jouet, le président n'a pas besoin de justice, le peuple n'a pas besoin de justice, dans le cas ça. Ancien sénateur Guy Philippe qui est avec nous jodi a n'a pas brassé l'idée sur différents dossiers. M'tarèmè si vous voulez pour nous font parler de dossier corruption, dossier insécurité ou parler de sécurité ko expert en sécurité, il y a différents pays qui a prend décision contre moun en Haïti parmi yo le Canada. Qui ça qu'on pensait de affaire Lisa lui-même et qui de yo? Moun yo c'est une question politique, y a essayé ouais pour éliminer en place politique pour prendre moun acolyte yo ti haïtien pa yo ti sous pa yo pour mettre sous pouvoir. Tout ça, toute tractation qui a fait dernièrement et dans dernier temps ça là, c'est Jocelyn Brivière qui a pris les ficelles non marionnette. Pas l'autre monde. Il gon contact avec un dame qui c'est chef adjoint cabinet et premier ministre canadien qui était secrétaire Jean-Bertrand Aristide, que en pile monde découvre lui mais d'abord marié avec Jean-Bertrand Aristide, qui aujourd'hui a un gros poste dans le cabinet et premier ministre canadien, il y a pris les ficelles pour mettre les gens dehors, pour éliminer les gens. Pour... Quand on entend, comment on comprend qu'il y a parlé de corruption, de gens qui ont mis gang, l'on a histoire de l'armée rouge, l'on a histoire de craser l'institution de l'État dans l'armée d'Haïti, l'on a corruption, tout cas de corruption, dans le vent, dans une série d'entreprises de l'État à perte pour l'État haïtien. Pour t'avoir ta fond liste, qu'on s'appelle pas grain laval là, ce qui saute dans liste là. Non, mais. Pour Jocelyn Brivière. En attendant. Excusez si je me fais occuper un petit moment. Canada dit lui-même, il y a des preuves, et ce n'est pas seulement Canada. Il y a les États-Unis qui a pris des décisions dans ce qui vient pour avec combattre l'insécurité en Haïti. Qui preuve, il y a pour ça va pas l'État haïtien, pour ça va pas faire le public, c'est menti. C'est politique qui a fait pour déstabiliser le pays. Est-ce que pas grand monde connaît que Jocelyn Brivière a participé dans le massacre la Syrie? Il va arrêter le boussa jusqu'à présent qu'elle l'a beaucoup fermé. Qui ça Canada dit de ça? Son bagage politique qui a fait pour yon grason groupe moun, on n'aime pas les problèmes, non? Ou qu'on aime d'accord ça. Si nèg PHC a offert des zones, il faut qu'il prenne prison. Tout ça qui est dans le fouet, mais dans le corps Petro-Caribe, si tu es gagné, dans le corps des tremblements de terre, on a fait toutes les des zones dans le cas de corruption, il faut qu'il arrête. Même je faut qu'il arrête, nèg la valasse qui fait des zones, c'est seul comme ça nous cap font pays sérieux, c'est seul comme ça pour pays à jouer une route. Nous ne pouvons pas chaque fois qu'il vient, il retire ce groupe là, il même c'est pas là bon. Ambassade, tout ce que l'ambassade ça a fait là, c'est accord Montana a besoin de backup pour avec petit copain, petit mal et pareil, pour prendre le pays et puis venir faire ça, vous voulez faire encore dans le pays des Salines. Ce n'est pas un problème que vous mettez n'importe quel monde qui est dans la corruption, non? Ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas capable de citer nos anciens présidents de la République ou bien une équipe ancien premier ministre ou équipe ancien ministre, ça ne va pas venir avec preuve. Ça n'est pas un délinquant, c'est déstabiliser le pays. L'homme, c'était non exact. Tout bail preuve là. Pas de gain preuve aussi. Non, bail li. Ce bail public lié. Bail li pour nous comprendre que bagay là, c'est pas bail politique. Si on va pas bail preuve, si on a Kembe, c'est normal pour nous dire que c'est secrétaire, premier ministre Trudeau, qui c'est ancien secrétaire Jean-Bertrand Aristide, qui t'a pris le mari à Jean-Bertrand Aristide, selon ça tout le monde dit, qui a pris avance avec Jocelyn Brivière, qui a pris les codes, puis on reste très capable de prendre contrôle du pouvoir en Haïti parce que le peuple n'a pas voté. Chaque fois qu'il y a une élection, l'équipe ça par exemple, a fait plus que 7%. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de passer dans l'élection. Si vous avez fait un pays, j'ai marché dit qu'il faut que je sois un sénateur. Jamais. Et vous n'avez pas empêché un sénateur l'emblé. Ou bien ça m'a dans le pays. Donc, nous n'avons pas de monde. Donc, il y a fait complot, il y a pris les ficelles pour prendre le pouvoir, pour venir faire même zac, même des autres qu'on a fait là. Tout ce qu'on a fait là, c'est par politique, à moins que nous n'avons pas de preuve que c'est vrai, ça veut dire. Mais moi-même, je suis presque sûr, pas de aucune preuve. Alors, dans toute bagaille corruption, ça, dans toute bagaille financée gang, ça, pas de monde qui a financé l'armée rouge, qui commence à toute question gang, pas de grand monde dans la valance qui est dans la corruption, dans 20 téléco, dans 20 minuteries d'Haïti, dans 26 minuteries d'Haïti. Ou bien en voler toute corps coopérative, ou bien en craser corps et Petro-Caribe, les états bien amis privés avec tout premier ministre. En attendant, ça sont jouets. Ça est travail là-bas, là, ce que le Canada a fait, parce qu'il y a eu contact avec Tamsak, le cabinet et Trudeau. Et puis Jocelyn Brivière comme chef d'orchestre, après les ficelles, pour le cabinet, volons pouvoir encore. Je t'aurais aimé poser une question à quelqu'un qui eux-mêmes a posé question en bas live là, surtout dans affaire révolution et côté faire en 2003-2004.
Mais façon qu'on parlait, c'est que nous attendons nous gagner yon Guy Philippe qui a retourné dans la politique en Haïti, qui a retourné dans la vie nationale. Je ne voulais pas parler de date, le Guy Philippe a plagué et autres. Peut-être pour raison pas aussi, ou même vous voulez mentionner, l'on a toujours parlé de lui. Mais est-ce que nous capables d'attendre nous yon Guy Philippe qui a retourné dans la vie politique en Haïti? Il a dit qu'il a arrêté pour blanchiment d'argent, mais pas aucune preuve qui montre qu'il a blanchiment d'argent. Ça, je voulais vous le plaire pour tout le monde. C'est avec Sojebok, il a trafiqué une série de bagailles. Il a dit que dans Sojebok, il a fait passer près de 3 millions de dollars américains. Que jusqu'à présent, on va montrer un goût qui est passé. Donc, pas aucun cas. D'ailleurs, c'est ça qui me brûle devant OEA. Parce que la justice américaine est biaisée. C'est pour la justice qui a fait, je voulais devant la Cour internationale. C'est la justice internationale qui a dit. Selon ça, il y a un selon ça, il y a un mien. Je vais tout garantir, rentrer de tous côtés, aller sur tous côtés de Philippe Bionko. Tout côté de me faire, soi-disant, et blanchiment d'argent. Si je viens y arrêter, je vais m'en aller. Mais pas que je m'en ai cas ça. Donc, moi, je suis un prisonnier politique aux États-Unis pour façon balai. Parce que les États-Unis veulent tout le temps pour le monde baisser tête devant eux. Pour piler les pays, toujours. Et pendant qu'il y a fait l'issue, écrit non, mon soi-disant. Qui cause Haïti dans sa lia là, faut que tu mettes tête en premier. Toute ambassade est passée en Haïti, ambassade américaine, toute ambassade est passée au Canada, ils ont tout mis dans eux. Parce qu'ils ont tout contribué à créer ce pays. Ils ont comploté, ils ont conspiré, ils ont organisé, ils ont supporté l'assassinat en président de la République. Donc, qui bagaille a pu faire l'IS? Avec quelle qualité morale pour nous savoir faire l'IS? Bon, même, nous, et je dis tout le monde, je suis rentré, je suis venu dans la politique pire. Il a la loi avec, et pas rien qui a fait au fait dans la politique. Mes paroles là. Et c'est là, moi-même, je prends très au sérieux la déclaration que l'avocat sénateur Guy Philippe l'a fait. Côté que l'avocat annonce que Guy Philippe déjà a eu une haute libération dans la main. Guy Philippe a rentré dans le pays hein, le 7 pour le 8 janvier, qui a venu là. Pour moi-même, c'est ça qui Philippe répond là, en dedans de ça encore une fois. Mais pas que j'aime bien qu'à ça. Donc, moi, je suis un prisonnier politique aux États-Unis pour façon balai. Parce que les États-Unis veulent tout le temps pour le monde baisser tête devant eux. Pour piler les pays, toujours. Et pendant qu'il y a fait l'issue, écrit non, mon soi-disant, qui cause Haïti dans sa lia là, faut que tu mettes tête en premier. Toute ambassade est passée en Haïti, ambassade américaine, toute ambassade est passée au Canada, ils ont tout mis dans eux. Parce qu'ils ont tout contribué à créer ce pays. Ils ont comploté, ils ont conspiré, ils ont organisé, ils ont supporté l'assassinat en président de la République. Donc, qui bagaille a pu faire l'IS? Avec quelle qualité morale pour nous savoir faire l'IS? Bon, moi-même, nous, et je dis tout le monde, je suis rentré, je suis venu dans la politique pire. Et la loi avec, et pas rien qui a fait au fait dans la politique, parce que la loi avec, tout ça me dit, c'est ça, de la loi. Invitez-nous à Guy Philippe, à Mbrata, pour me tendre où, et pour me capable de formuler des questions tout, que nous gagnons, parce que je n'ai rien que mon yotou, yo même yo gagne possibilité pour yo capable de, peut-être des questions, et me battre les faits, les yon vertes. En nous parler de révolution, ça, 2003-2004, ou t'es dans tête yon groupe rebelle qui était contre ancien et président Aristide d'alors qui pas remet genre régime dans lui-même qui t'a fonctionné ou t'es dans un groupe armé un groupe qui gagne zam nan mel qui t'a gagne l'autre moyen nan mel qui t'a fonctionné qui côté Guy Philippe lui-même t'a joine l'argent t'a joine zam pour t'être capable opérer et pour t'être capable faire gros tonton mouvement ça. Tout le monde connaît que le gouvernement américain, le gouvernement n'importe français ou bien et anglais, n'importe empire ça, c'est intérêt seulement au gain. Donc, qui intérêt pour ta gain en 2004 pour ta appuyer un mouvement qui compte Jean-Bertrand Aristide? Moi, c'est pas moi qui t'a fait poser pour réfléchir et puis répondre. Aristide by blanc, tout ça le voulait. Tout ça le besoin. Aristide crase la médaille. Qui était dans le plan blanc, depuis après, bah, et Panama, il était voulu faire dans plusieurs pays. Et Haïti était là-dedans. Haïti crasé, souveraineté économique pays. Il a privatisé à perte, en série d'entreprises de l'État, t'as coûté l'Écom, Minoterie d'Haïti, et Cimenterie d'Haïti, et Naol. Haïti crasé, production nationale.
président Bill Clinton témoigné, il dit que le regret qu'il a contribué à craser la production du riz en Haïti. Tout ça, c'est le président Aristide qui fait blanc, cadeau, bagay ça, ouvert pour faire importation abusive, pas encourager secteur et paysan, c'est importation. Il prend un banque l'État, qui est les banques populaires haïtiennes, il fait donner un vache à lait pour prêter l'argent à 3-4 petits copains, qui s'agvine élite économique Haïti, je dis, en pile là-dedans. Président Aristide fait cadeau souverain des pays. Politiquement, l'ELSI en 2002 avec ambassadeur américain, il dévoyé ministre affaires étrangères, Philippe Antonio, qui signe un accord qui permet blanc rentrer en Haïti, kidnapper moun jan y a kidnapper là. En pile moun toujours ba tête yo menti, dit c'est Préval qui signe traité d'extradition. Non, Préval pas signé aucun traité d'extradition. Préval signe en 1997 un accord de coopération avec États-Unis. Dans la mer, avec un espace aérien. Seul traité d'extradition qui existait en États-Unis et en Haïti, c'est traité 1904-1905. Aristide Sillon Bagay lui-même, et même parlementaire, qui était contrôlé à 100%, pas jamais ratifié. Il signe avec Blanc, dit Blanc, un an, il est rentré en Haïti, kidnappé mon nivelé. Un an. Archivio là, c'est pour nous chercher, puis après. Pour qui raison? Pour Blanc, on est gabal tout bagay, qui fait tout salver, ta contre Aristide pour encourager un mouvement et rébellion contre le gouvernement. Ça. Donc, moi, je pense que bagay yop et parle peut-être yop, archivio là, c'est pour moun damanye et al gade, al chercher, retourner dans l'époque ça, et puis parler. Philippe toujours. En pile mon a dit Guy Philippe t'a travaillé pour blanc. Guy Philippe c'est agent blanc. Guy Philippe c'est pion blanc. Attendez, moi ton commandant en Haïti. On est responsable d'abord commissariat Wanamet qui sous frontière. Commissariat Delma. On est responsable toute zone métropolitaine. Comme tel on a poste et place qui est important la question police nationale en Haïti. C'est normal et c'est sous l'autre gouvernement que on a des rencontres périodiques avec blanc. Parce que tu as une mission onusienne en Haïti, tu as un militaire américain en Haïti, et sous l'ordre supérieur hiérarchique, il faut te rencontrer avec eux au moins 3 fois par semaine, ce que tout commandant a fait, qui est dans la position. Nous devons rencontrer 2 à 3 fois avec eux par semaine, et parfois, c'est attaché militaire américain qui vient dans la rencontre. Okay. Donc, à partir de toute rencontre, ça, il y a un contact, il y a une amitié, et puis il y a une politique qui fait, bien entendu. Mais à aucun moment, on ne va pas dire que Blanc est supporté. Un mouvement qui t'a vu contre intérêt Blanc américain pas pas égaré. Blanc américain pas t'a fait un dommage que classe politique haïtienne n'a pas eu courage. Non seulement pour accepter et dire toute mon vérité, combien rencontre que moi-même, Guy Philippe, avec lieutenant Mio, combien rencontre nous fait avec vous, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit en Équateur, côté classe politique là, en pile monde là-dedans, déplacé. Vin faire rencontre avec nous, vin planifier mouvement, ça a abouti à 2004. Son mouvement commencé depuis affaire Ronald Cadavre et qui te met carotte sur nos têtes, un commissaire avec 2 policiers, qui vin abouti à 29 février 2004. Dans la route, ça, il y a des gens qui te met Aristide, qui a fait l'argent à Aristide, qui vin des problèmes personnels à Aristide, qui fait mouvement par eux. Il y a plusieurs équipes, plusieurs groupes qui ont fait mouvement. Puisque tout le monde connaît en Haïti, président ça, ou pas quitter le pouvoir sans que pas un mouvement armé, à la fin, ou tout est obligé de venir rencontrer nous, planifier pour Aristide aller. Pour me faire suite à ce que ça n'a pas parlé, je pense que la classe politique Haïti, s'il veut, les cap baille plus d'informations sur comment faire mouvement, côté une jeune moyen et que j'en fais. D'ailleurs, toutes les armes qui utilisent, tout le monde a regardé, c'est pas en 1804. Et après que ces armes qui étaient pour l'armée d'Haïti, ou bien zam policier qui te vient rejoindre le mouvement. Nan, parce que m'te gen pile policier avec. Tout. Et d'ailleurs, sans aide, peut-être que le mouvement va jamais qu'à briver côté pour l'univers. Donc, gardez ou bien pour nous. Gardez les âmes, gardez qui intérêt à mes qui t'a gagné. D'ailleurs, si nous avons des déclarations Colin Powell 5 jours avant Aristide Allé. Côté le dit, le pape quitte une équipe TOG, retirer président Aristide. Président Aristide là pour 5 ans, et États-Unis campé Red. Et ça, c'est tellement grave. Pendant que je suis dans l'hôtel Montjoli au Cap en 2004, attaché, chargé d'affaires américain, relais, hôtel là, m'a dit pour parler avec.
Monsieur a quitté un personnage âgé, oublié non, qui s'est mettre hôtel mon joli, vin relem, elle m'a dans le bureau pour me parler avec attaché et chargé d'affaires, et excusez-moi, américain. Chargé d'affaires là, dit que yo pas toléré, yo bam l'ordre, yo dit tout le monde pas rentrer, États-Unis a agi immédiatement si yo rentré, pour au prince. Parce que Aristide ne font pas. Monsieur était chef qui était maître hôtel là, attendez, réponse que moi, chargé militaire, chargé d'affaires américain. Il est gonçable que le gain, il dit qu'il est en famille depuis des générations, il est bon monde. Il dit que parce que c'est la première fois qu'un haïtien parle comme ça américain. Donc, chargé monde, chargé bagage, chargé preuve, chargé témoin. Qui côté nous joindre l'argent? Mandez ou cap bande classe politique là? Ou cap bande un secteur dans la bourgeoisie haïtienne là? Ou cap bande tout le monde qui te collabore pour nous dériver côté pour nous arriver là? Donc, son mouvement qui était tout à fait haïtien fait mouvement yo. Et je dis à la, crétin, yo, m'ba konnen, ti capon yo, pour yo montrer que c'est pas fort, yo, c'est pas PODP, c'est blanc, oh, Guy Philippe, c'est pour blanc, il a travaillé. Non, c'est un mouvement haïtien fait, son mouvement commandé avec troupes, moi, nous fait 4-5 ans, n'a pris depuis 2000 jusqu'à 2004, qui vient aboutir à départ, Jean-Bertrand Aristide, côté nous souhaité créer un pibon Haïti. C'est dommage. C'est dommage. Opportuniste politique, prend mouvement en otage, ils font accord tripartite, ils font un gouvernement en bas, et conseil des sages, bagaille, tête en bas, et puis ils lagent le pays à côté, ils lagent le pays. Mais ce n'est pas un plan, c'est un plan. Moi, j'ai des gens qui ne disent pas un plan, c'est un plan. Un plan bien défini. Et il y a un pile de monde là, dans le secteur politique haïtien qui est bien placé. Tout le temps, vous avez parlé dans la radio. Si vous voulez, vous pouvez parler et expliquer. Malheureusement, tout le monde est. Tout le monde est blanc et tout le monde est dit qu'il y a un mouvement armé, qu'il y a appuyé un mouvement armé. Et je ne crois pas qu'il y a un secret pour aucun monde. Que la classe politique haïtienne a appuyé un mouvement, pas maintenant. Que un gros parti dans le secteur privé a appuyé un mouvement, pas maintenant. Parce que tout le monde est reconnaître là-dedans. C'est mauvaise gestion. C'est gens qui viennent prendre, gens qui viennent écarter. Et tout le monde, après 2004, qui viennent faire la guerre dans tout que de la guerre. Vous avez une question et que le journaliste va venir là. Monsieur, vous allez poser Guy Philippe question. Est-ce que Claude Joseph était dans le mouvement 2004 là? Entendez bien, vous comprenez. Vous voulez qui rapport comme si vous avez sous qui ligne, question ça sorti là? Vous allez être chargé. De toute façon, je crois que je vais vous faire une remarque qui est très intéressante. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher aucun prétexte blanc. Vous n'avez pas besoin de blanc. Et puis, j'aime blanc parler en pile. J'aime blanc contre graser. Vous n'avez pas besoin de preuve. Les gars, vous n'avez pas besoin de preuve. Vous tout connaissez. Tout le monde connaît ce mouvement haïtien, totalement haïtien. C'est grave, c'est que tout haïtien, trois quatre, même les gens qui sont même, oui. Moi, j'ai même fois, je pensais que Blanté, Bamzam, Blanté, Edim. Tellement, ils répétaient, ils répétaient, moi, il y a tellement, ils répétaient, ils pensaient que c'est une vérité. Et lâche, ils lâchent, oui. Haïtien lâche en pile, ils capent en pile. Ils n'ont pas capable de faire ça, ils ont supposé faire pour sauver Haïti dans le trou que les gens disent là. Ils ont montré que Haïtien bataille dans le pays, il a fait une série de bagailles extraordinaires. C'est blanc. Comme si Haïtien n'avait pas fait rien. Okay. Non, mouvement, ça n'a pas de monde qui a blanc là-même. C'est moi qui fais mouvement, c'est moi qui monte mouvement, et c'est le chef mouvement. Malheureusement, les politiques ont trahi. Malheureusement, la classe politique a vendu le mouvement. Mais c'est un mouvement qui est fait pour changer Haïti, pour aider le pays à soutenir tout ce qu'il y a là. Tout à fait. Moi qui t'ai vraiment élaboré, parce que c'est ça métier journaliste l'a demandé, là où on n'a pas l'opaca interrompu, surtout s'il y a des détails qu'on est capable de jouer. Moi, je n'ai pile bagarre dans ça. C'est que mouvement, c'est classe politique, qui était vraiment sponsorisé, mouvement, c'est secteur privé. Mais quand l'autre bagarre au fin dit là, ou dit que ou trahi, ou dit que nèg yo viré sou, qui l'a go dans sac ou y est là. L'on a parlé de trahison, mais s'il possible que ou même, parce que je dis assez vraiment, il y a un espace côté ou même ou capable de joindre des détails, ou capable de bailler des détails à la nation. L'on a parlé de trahison, qui est-ce moun côté avec yo comme ça, que qu'on est capable de dire qui trahit ou qui la go dans sa courrier là? Premier monde qui trahit le mouvement 2004, là, c'est monsieur politique. Yo. Qui malgré toute rencontre nous fait que Quito, Équateur ou bien République Dominicaine, et le Aristide Vinale, et dans la rencontre nous fait dans l'hôtel El Rancho, même joie, ils ont quitté la rencontre, ensemble avec quelques représentants du groupe 184,
y a l'ambassade américaine, y a signé un accord tripartite. Côté y a vina couche en conseil des sages, nous avons côté ça à Zodzi. Et puis y a prend tout mouvement en otage, y a la guipé y a un truc y a la guipé là. Donc c'est monsieur classe politique yo, qui était là. Dans la rencontre, ça a été Paul Denis qui était là. Et Evans Paul était là. Et dans la rencontre, il m'a parlé qui était fait Elran Joa. Et toujours avec Guy Philippe, d'accord. Andy Apet était là. Charles-Henri Becker était là. Et il y a l'autre représentant et classe politique là et secteur économique. Non? Et c'est eux même pour demander pour qui raison. Ils ont quitté la rencontre et ils ont signé un accord tripartite. Et ils ont crasé toute belle promesse qui était faite. Et la GPIA en bas, mais blanc, encore une fois, pour faire une transition sans sens et qu'il a gagné mon qui a accouché nous dire en Haïti que n'y a. Ok. Je suis content que. Parce que l'émission, ça, c'est vraiment ça que lié. Pour que le monde capable. Très bien. Et l'intéressant pour que moi, te fait tirer aller ça. Et de nous comprendre. Alors, aide nous de ça tout d'abord. Pour que nous-mêmes, personnellement, en tant que des Haïtiens qui étaient. Et en pile là nous qui te vive 2004 justement me dit nous clairement et moi honnête avec nous moi pas te vive 2004 parce que même dans province moi pas rentrer au prince. OK, le mouvement ça t'a fait en 2004 et nous pas vraiment gain l'âge. OK, nous t'étendais bruit dans pays le Aristide Allen t'étendais ça le Sayo c'était 11 12 ans c'était l'âge Sayo évidemment à l'époque. Et 2004, et 11, 12 ans, c'était ça, c'est un bateau peu moins. Effectivement, mais justement, je voulais faire appel ça pour nous, c'est que, et ça qui est là comme situation, c'est que un groupe haïtien qui était toujours aimé l'argent, qui était toujours vicié, qui était toujours père blanc, qui n'était pas de gens prêts pour faire sacrifice définitivement pour le pays, hein, après tout qualité bataille, après tout le monde qui est touillé, parce que bataille 2004, là, nous-mêmes, d'après l'histoire, en pile, monde mourit, ok? Et Aristide t'a fait rebelle, tout ça, normalement, en pile monde mourit, mais vraiment pas qu'à grand temps tout, avec Jean-Baptiste Aristide, par rapport avec Jean-Baptiste Aristide, t'es à gangsterisé pays, à Baïza, monté la mer rouge, fait tout qualité bacac de pays, qui cause tout, ouais, t'es un groupe monde qui t'es vraiment rebellé, et puis t'es pris les armes pour te faire mouvement contre Aristide. Mais normalement, et peu haïtien, l'idée important pour moi pour me détendre, Guy Philippe. Et nous avons des commentaires pour nous faire ensemble avec vous. Nous analyse tout pour que moi fasse dans quatre dossiers ça. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Ensemble avant pour aujourd'hui. Je dis que nous avons appelé. Je salue chaque gagne qui était présent ensemble avec nous dans l'émission. Je dis que nous là. Je vais de vous ensemble avec nous pour demain si Dieu veut. Pour une autre émission. Que la balague. C'est ton plaisir. Ça fait la clave ici. Qui est-ce qui s'y parle ni qui livre? Ça s'en connaît, y'a sa beauté. Oh, la la la, y'a la la, y'a moi. Nèg yo méchant, oui, sous des sa, monsieur. Oh, la la, y'a la la, y'a moi. Si vous êtes sur le côté, nèg yo criminel, c'est des sonnites. Nèg yo des cafres, monsieur, tout y'a président.
chante à